toi dessus aussi. Oui, mais attends. Tends le bras. Bah oui, mais j'ai un petit bras. Ah, attends, je suis plus en train de regarder la route. Ah oui, bonjour. Hello. Mais conduis, s'il te plaît. Alors, aujourd'hui, je suis avec Coco. On vous emmène avec nous pour cette petite matinée où on a des choses à vous dire. Donc ça va être très très chouette. Voilà, ça va être trop bien. Ça va être marrant. Et là déjà, on commence par aller chercher Luffy. Là, on a le vent attelé derrière. On va chercher Luffy pour faire une visite veto. On le voit pas trop. Parce qu'il est peut-être vendu. Donc ce serait chouette pour une petite famille qui habite juste à côté et tout. Donc bref, ce serait vraiment très bien. Donc voilà, je pense qu'on fera pas beaucoup de plans pendant la visite, mais on va quand même vous emmener avec nous. Et puis après, on a des choses à vous dire. Oh là là. Oh là là. C'est parti. C'est parti. Pourquoi j'ai plus de voix? Oh, les beaux gosses. Ah bah oui, ils veulent aller voir le vent. Bah oui. C'est quoi là-bas? Bon, t'es prêt? Tu vas monter dans le vent, Luffy? Tu es d'accord? Il a dit oui. Très bien. Je vais tenir ça. Attends, attends. Oh, tu sais que c'est le bourbier, mon pauvre. Oh oui. C'est toi qu'on vient chercher. Hop, le petit. Allez, petit cul. Bouge là. On n'a rien à faire. C'est grand galop ici ou quoi? T'as vu, c'est un cheval sauvage. Ah oui. Mais heureusement que tu sais bien dresser les chevaux. Je suis une grande dresseuse. Il s'appelle Pikachu. Oh, oh, ça lui irait bien. Hein. J'avoue. Oui, mon petit. Comme un chef. Il vient de péter les clôtures pour aller voir son frère. Normalement, il est vendu, hein. Ah bah normalement, c'est bon, hein. Je crois que la famille, elle a eu un gros coup de cœur. Petit chou. Ça sort où? Ça sort. J'en ai aucune idée. Ah, c'est là. Enfin. Ça fait une heure qu'on essaye de faire imprimer ça. Oh mon Dieu. C'est tout? Tout ça pour ça? Ah, ça y est. La visite veto est enfin finie. Le poney est vendu. Voilà. C'était long. C'était long. Ils ont fait pas mal de tests et tout, mais bon. Voilà, en tout cas, c'est fait. Là, on a petit Mimi qui nous suit. Bon, il y a les granulés, mais aussi, il sait qu'on lui a enlevé son frère, donc c'est un peu triste quand même. Et puis là, maintenant, vous voyez la petite Coco qui se balade avec des petits papiers, on va vous raconter un petit peu. Enfin, non, je vais vous laisser encore un peu le suspense. D'abord, on va nourrir les petits poneys. Parce que là, ils sont en train de tous nous attendre. Ah bah oui. Du coup, Mirac a pété le fil pour passer tout à l'heure pour suivre son frère. Oh, super, tu m'as pété une poignée. T'es fière de toi? Tu m'as pété deux poignées? Mais oui, et vous, vous êtes respectueux. Voilà, c'est les petits qui sont respectueux. Et le grand qui fait nimpe. Bon, je pense qu'en ce temps, on va juste... Hop, c'est bon, vous pouvez passer, là? Allez, de toute façon, je vais aller réparer ça dès qu'on les a nourris. Hop, allez, venez les gros. Et d'ailleurs, je vais commencer par leur mettre de l'eau. Parce que là, avec les chaleurs, ça descend vite. Hop. Vous voulez une petite douche? Non, pas de petite douche. Murphy, une petite douche. Ok.
Waouh. J'ai chaud. Ouais, il fait très chaud. Salut bonhomme, je viens signer le contrat qui dit que tu seras à moi. Mais non, je t'inquiète, y'a pas de problème, je te dérange pas. Je trouve ça très drôle de signer sur son cul. Alors, par contre, si la table bouge, ça va pas le faire. Faut que j'écrive quoi? Lui est approuvé. Ah ouais, non mais écris. Ouais, tu écris lui est approuvé et tu signes. Ne bouge pas. Sinon, c'est loupé. Attends, je suis presque. Il se demande vraiment, mais qu'est-ce qu'elle fait? La signature ne bouge pas, c'est bon. C'est signé. Yes. Et t'as signé quoi? Alors, j'ai signé ma signature. D'accord. J'écrive mon nom. Non, mais t'as signé quoi? Ah, j'ai signé le contrat de vente. Mais non. De Murphy. Mais non. Ça y est. Super. Le Minimoys est à moi. Officiellement, ouais. À toi. Tu es fière? Oh, oui. Tu es contente? Oh oui, il est si petit. Il est si mignon. Il est à ton image. Oh oui. Il est trop mime. C'est mon poney Barbie. C'est une belle histoire. C'est vrai que c'est un poney Barbie. Le petit poney que j'ai vu naître. Et ça, c'est chouette. Bon, par contre, t'as une autre page à signer. Oui, on a une deuxième, mais là, ça, là c'est plus compliqué. Tu bouges trop, c'est pas très pratique, là. Alors là, c'est dur d'écrire. Noon. Approuvé, bon, c'est pas très difficile. Signe, vite. Ah. Regarde la signature. Bon, techniquement, c'est signé. Oui. Bravo. Oui. Hé, hey, petit poney, reviens. Nope. Non, le contrat. Oh là 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 là, il se passe n'importe quoi. Le contrat, il est dégueulasse. C'est tout propre. Top, eh ben, bien joué, super. Coco. C'est ton contrat. Oh. C'est pas ton contrat. C'est pas ton contrat. Bon voilà, comme vous l'avez vu, Colin est officiellement la propriétaire de Murphy. De pas celui-là du coup. De l'autre derrière. Trop chouette. Voilà. Bon, faut savoir que ça va pas changer grand-chose pour Murphy parce qu'il va rester vivre avec ses copains. Il va rester ici parce que Colin, elle, est parisienne. J'habite à Paris, donc voilà. Pour dire que lui dans mon appartement, ça va prendre un petit peu de place, c'est pas comme il passerait. Chats. Il passerait, mais effectivement. Mais ouais, mais l'objectif c'est que moi je continue de m'en occuper. Colin viendra régulièrement évidemment faire des petites choses avec bébé mort. Et puis voilà, c'est son bébé maintenant. Oh oui, j'ai un nouveau bébé. T'as réalisé un de tes rêves? En vrai ouais, grave de ouf. C'est un truc mignon. De fou. Trop bien, moi je suis trop contente parce que... Je suis très contente. Il fallait que je vende mes petits poulains et ça me faisait trop de peine de les perdre. Et du coup, Murphy, lui, il reste avec nous, donc c'est trop bien. Oui, puisqu'on l'a vu naître. Trop bien. Ensemble. Oui, c'était ça, trop c'est chouette. C'était vraiment... C'est une belle histoire. Oh, c'est une belle histoire. Bon. Et voilà, et maintenant tu me le transmets. Oh. Elle est folle. Tu te demandes, mais qu'est-ce qu'elle veut, celle-là? Pipa, pipoup. Ça va, Pichoun? Ça va, Pichoun? Ben tu oui. Te souviendras de moi la prochaine fois que je viendrai? Il y a intérêt maintenant. C'est à toi de signer son contrat. Oui, c'est vrai. Sur ses fesses. Bon, pour l'instant, il va continuer de grandir tranquillement. Oh, bah oui. Bah oui, parce que voilà. T'es tout petit encore. Il va au moins faire 2 mètres. Pas sûr. Pas sûr. Reste le plus petit que tu peux, ça m'arrange. Bon, allez, je vais c'est signer. C'est très bien comme ça. Je vais signer ma partie. C'est toujours le contrat. T'as vu ça comme c'est pas pratique? Lu et approuvé. Signature. Il y en a un qui est bon, le deuxième. Il se demande vraiment ce qu'on fait, le pauvre. Vous faites quoi sur mes fesses là? Il a approuvé. C'est le même contrat où toi ta signature elle est horrible. Oh punaise. Parfait. Alors attends, comment je fais là? Tu veux que je prenne, tiens, donne-moi une des caméras. C'est une très bonne idée. Oh là là. Bravo. Ça y est. Bravo. Une sale bête de plus dans ta vie. Je suis propriétaire d'un poney. Genre ça. C'est ça, à moi. Ça, c'est à toi. C'est à moi. Ce truc-là.
cette chose. Ce petit nez trop mignon sur lequel on a envie de faire plein de bisous, mais qui veut pas nous laisser faire des bisous. Ouais, lui, c'est son nez, mais moi, je suis fan des petits nez roses comme ça. Le poney de Colline. Oh oui. C'est fou de se dire ça. J'avoue. Ah, tu me baves dessus, merci. Le premier poney. Oui. My little pony. My little pony. C'est vraiment un poney de Barbie, c'est très drôle. Vraiment. Oh là là. Vous inquiétez pas, lui, on le mettra à l'attelage. Non, c'est clair, on ira se balader. Oh oui. Avec on ira une faire. Mini calèche. Mais oui. Ce sera parfait. Oh là là. Ça va bien t'aller, ça. Ouais. Depuis que tu es née, t'es trop mignon. C'est vrai. Il a jamais été moche. Non. Il a pas eu la période ces poulains un peu moches. Non. Pas du non, tout. Non, juste beau gosse. Toujours magnifique. Tout boulon, là. Ouais, je te jure. Quel crâneur. Non, je te jure. C'est un crâneur à partir du moment où il est né. Il est né, il savait déjà comment vivre. Attendez, excusez-moi, je vais rentrer à côté, c'est plus intéressant. Mais clairement. Et moi, je te ferai des tresses. Je te démêlerai les crins. Et je te ferai une grosse tresse de poney Barbie. Oh. Tu vas me détester. Bon allez, est-ce qu'on n'irait pas s'occuper des autres chevaux malgré cette chaleur? Eh bien si, il faut. Il faut. Et ensuite oui. Je vais au train. Donc tu repars sur Paris après avoir acheté un poney. Excusez-moi, je rentre à Paris après avoir fait un investissement. Quel poney. Compagnie. Quel poney. Et quel poney. C'est ça. Il est vraiment magnifique. Il est trop beau. Vraiment, c'est une petite gravure. Bon choix. Merci. Bon choix. C'est pour ça qu'il est né le jour où j'étais là. Ouais, c'est vrai. Franchement, le hasard de fou, quoi. Non, mais vraiment. On avait tellement pas prévu ça comme ça. C'est... Parfait. Toi, t'as vraiment un nez à bisous. Un petit nez à bisous. Ils sont super copains, les deux. Ouais, c'est trop mignon. Bon, allez. Au revoir, le poney de Colline. Revoir, à demain. Pas à demain. Bah oui. Je t'enverrai une photo si tu veux. Oui. Jour 1 sans Murphy. Jour 1, tous les jours. Le carnet, tu sais. Oh. Bisous, petit chat. À bientôt. Je reviens te voir. C'est promis. Hey, bisous, les gros. C'est opération. Opération quoi? Brosse mouillée. Opération brosse mouillée. Opération, on essaye de rafraîchir les poneys. Parce qu'il fait vraiment 30 degrés. Ah, t'as chaud, pépère. C'est surtout que ça arrive d'un coup. Il faisait froid et d'un coup, bam. Ouais, et il va refaire froid en plus. Ouais, j'aime trop faire ça, moi. Ça, vraiment, c'est trop rempli, là. Là, sur la sueur. Le petit chat. Hop là. Et toi? Toi, tu vas pas aimer, toi, t'aimes pas. Oh, t'as trop chaud là. T'as rien à dire là. J'avoue. Il fait juste trop chaud. Oh là là, quelle chaleur. Le petit loup. Je pense qu'on va aller nourrir rapidement le troupeau et puis on va se rentrer au frais. Vraiment. Oui. Après cette journée riche en émotions. C'est clair. Ça, tu vas pas vouloir quand ça goûte comme ça. Ah, tu commences à te dire que c'est sympa en fait. Bah oui, tu m'étonnes. Ça y est, tu dis plus rien. La dernière fois, il me fuyait tellement. Je le poursuivais avec la brosse. Et... Mais t'en as besoin. Je te jure, c'est pour ton bien. En fait, c'est trop bien. Moi, j'adore cette technique pour les gens qui ont des chevaux qui sont flippés de la douche. Ouais, c'est clair. Les mettre en pression. N'hésite pas, Anakin a ruiné le plan. Vraiment, il n'y a pas de problème. Et c'est lui la star que je suis. C'est vrai. Je ne filme que toi, Anakin. Regardez-vous. Un petit plan sur Anakin. Voilà. Oh. Bonjour. Oh, il fait trop chaud, je vais mourir. Vraiment. La voiture, elle affiche 32 degrés, là, j'en peux plus. C'est abusé. Voilà, c'est pas humain. Mais bon, est-ce que tu es contente d'avoir un poney? Oui. Est-ce que tu te rends compte que t'as un poney? Non. Si je dois être honnête, pas du tout. Mm-hmm. Non. Oh, c'est trop chouette. Ça va être une chouette aventure. Je vous filmerai des petits trucs quand Colline viendra s'occuper de son poney. Merci Lélé. Bah, merci à toi. Attends, je t'ai pas donné les sous encore. Ah putain, c'est vrai. Putain, on a signé le contrat alors que j'ai même pas les sous. Bon allez, Colline va nous laisser. Elle va retourner sur Paris. Au moins il fait beau en ce moment à Paris. Bah ici aussi. Ça c'est chouette. Oui.
Mais d'habitude, il fait moche. Ouais. Je veux dormir. Moi aussi. Mmh. Mmh. On a très mal dormi cette nuit avec la chaleur, vraiment. On est au bout de notre vie, là, vraiment. On sait même pas quoi dire. Oh là là. Ça, c'est terrible. Bon, bah, bisous, Colline. Bisous. Au revoir. Bisous. À la prochaine.